Alors, c'est Saint Jean-Paul II qui avait introduit la 15e station. Ce que je vous dis là maintenant, mais dans la tradition, c'est 14. Donc, la 15e station, c'est la résurrection. Alors, le problème qui se pose, ça n'a pas beaucoup mordu dans les habitudes de l'Église. Alors, on est resté à 14. C'est dans les lieux de pèlerinage, on en a 15. Parce que le 15e, c'est la résurrection, on chante Alléluia, mais pendant le carême, on ne peut pas chanter Alléluia. Mais il faut seulement signaler à la 14e station qu'il va ressusciter le troisième jour. Et il est mis au tombeau, il ressuscitera le troisième jour. Donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans et c'est très bien de le faire comme il avait encore ajouté un mystère dans le rosaire, les mystères lumineux qui font partie de la vie de Jésus-Christ. C'est un saint homme qui était vraiment accompagné par Dieu, qui nous a demandé de revenir sur nos valeurs, les valeurs qui font l'Église aujourd'hui.